Je m'appelle Benjamin, je viens de Lille. J'ai pas de kien. J'ai un corps, deux tchos, une femme. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai pas trop l'accent. Là, après, je pense qu'il y aura d'autres questions où je pourrais me décrire plus en détail. Hein. Alors, mon métier, ma petite. Je vais en rendez-vous écouter des gens, des grandes personnes qui veulent faire une fête généralement ou un événement, un rassemblement. Ils m'expliquent ce qu'ils veulent faire. Je leur fais des beaux dessins en 3D, mais de la 3D comme dans les vieux Mario Bros, c'est en 2D plateforme. Et moi, je fais de la 3D comme dans les nouveaux Mario Bros. Et quand on s'est mis d'accord, qu'ils trouvent les dessins très beaux, je fais des autres dessins avec plus de détails pour que les techniciens, donc les gens qui vont travailler pour réaliser l'événement, puissent le comprendre tout bien. Comme je le disais tout à l'heure, je viens du nord, des Flandres, Godvarsveld, j'ai grandi là-bas. Je me suis tourné vers la formation professionnelle pour faire des choses de mes mains. J'ai fait une formation d'agent du spectacle où j'ai appris tout le champ lexical, tout le champ lexical du spectacle. Donc une formation longue de 1 an. Je suis revenu à Lille, j'ai travaillé pour un prestataire événementiel. Pendant 5 ans en tant qu'intermittent, après je travaillais dans la culture, pendant encore 5 autres années où j'ai fait plus de culturel, et après je suis devenu directeur, je peux pas dire le mot, pendant 5 ans aussi en fixe en CDI, donc j'ai arrêté l'intermittence du spectacle, et donc je suis arrivé à Toulouse chez KRD Audiovisuel pour continuer mon métier de directeur, BIP. Consciencieux, minutieux, mesuré, curieux, curieux c'est important. Créatif, ouais, un peu foufou. Il faut être créatif pour comprendre la création et du coup pouvoir la rendre techniquement possible. Mission principale, donc, c'est être à l'écoute, comprendre le besoin, simuler en 3D, modéliser aussi en 2D, donc pour tout ce qui est voie de circulation, choses comme ça. Après, ça va être modélisé en 2D, mais les plans de montage pour l'équipe technique. Je peux dire technique maintenant, pour l'équipe technique. Après, ma mission, c'est aussi aller sur place pour être sûr que je n'ai pas fait trop d'erreurs, parce qu'il y en a toujours, ou des choses qui ont changé entre le repérage et le moment de l'événement. Faire les listes aussi de matériel, vérifier que tout est réalisable, qu'il ne manque rien, et pour avoir le plus de temps possible le jour de l'événement pour parer aux imprévus, parce qu'il y en a toujours. Alors, je dirais ambitieux, dynamique et smart. Au revoir tout le monde, sans condition. Aïe.